Construit en 1886, l'hôtel particulier de la famille Bardoux, fondatrice des papeteries Job, est aujourd'hui le CRDP, le Centre Régional de Documentation Pédagogique. Après 6 mois de travaux de rénovation, le bâtiment de 5000 m² a rouvert ses portes et offre aux visiteurs le plaisir d'apprécier des décors art nouveau. On parle essentiellement de boiseries. On parle évidemment des magnifiques huisseries des fenêtres, des portes qui sont toutes exceptionnelles, et puis les cheminées. Notre architecte, Jean-Philippe Loupiac, a fait faire des sondages sous les multiples couches de peinture agrégées au cours des années, et nous avons eu la chance de retrouver les couleurs d'origine. Qui sont d'un vert un petit peu laiteux. Au rez-de-chaussée, l'ensemble des espaces formation, médiathèque et librairie occupent les anciennes salles de réception de la famille Bardoux. Outils de ressources et de formation des enseignants, éditeurs des 300 livres, CD-ROM et DVD vendus sur place, le CRDP est aussi ouvert à tous. Je souhaite véritablement que les enseignants, toutes les personnes de la communauté éducative, les parents, les associations et tout le public toulousain investissent ce lieu, viennent voir la galerie où nous sommes, les expositions. Depuis sa réouverture, la fréquentation du CRDP a triplé et devrait encore progresser avec un programme d'animation tous les mercredis, des rencontres avec les auteurs du centre ou des personnalités toulousaines. Coup d'envoi demain avec Rémi Pêche.